Michel s'embrasait d'homme, comme si Jupiter descendait sur nous. Chaque obus soulève un tas de terre, de poudre et de pierre. Découvre les cadavres, puis les enterre. Dans cette fosse commune, les artilleurs sont les croque-morts, et ils ne s'embarrassent pas de nous indiquer. On traîne notre barda comme une croix, allons dans la boue, sonnés par le bruit. On crève sous les balles et les bombes, mais la défense se poursuit. La soif est intenable, certains se traînent au fond des trous pour voir une croûte qui est souillée par le corps démembré qu'on aperçoit au gré des canons. La fatigue est innommable, on entend de nous, on en perd la raison. Nous arrivons à 200 et le parti est 61.